Salut à tous, c'est Charcot et aujourd'hui on se retrouve avec la deuxième partie de Layers of the Fear. La première partie était assez inquiétante, franchement, j'ai pas mal flippé, j'espère que vous aussi. Donc pour vous, ce sera passé une semaine, moi il se sera passé bah, rien du tout en fait, parce que j'aurais repris tout juste après, pour essayer de gagner un petit peu de temps et vous préparer autre chose à côté. Donc, ce que je vous prépare à côté, bah, c'est tout simplement du CSGO avec mon pote Dexter. Et comme le CSGO, ça me prend un peu plus de temps parce que bah, je fais beaucoup plus de coupage de vidéos que les walkthroughs. Et ben voilà. Bref, assez parlé, on se remet dans l'ambiance. Une porte vient de s'ouvrir. Creepy, creepy, qu'est-ce qui se passe ici? Encore le bébé poilu, ou je ne sais pas ce que c'est. Les tableaux, s'il vous plaît, arrêtez avec les tableaux. Une clé! Ça sent la merde. Qu'est-ce que c'est? Une jolie musique! Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Donc apparemment, il se servait de l'inspiration. Ça sent la merde. Sa femme l'a inspiré en jouant du piano et ça l'aidait à faire ses peintures. J'ai vraiment l'impression qu'elle est morte. Putain, si c'est nous qui l'avons tuée, franchement, je vais être un peu dégoûté. Oh. Ah. Oh putain, mais il fait carrément plus noir ici. J'ai tellement l'impression qu'on est déjà passé par là. C'est quoi ce bruit? Ok. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant? Ah oui, et vous rappelez, enfin moi c'était il y a un instant, mais juste avant de se quitter, on avait vu une sorte de monstre au premier étage quand on a monté l'ascenseur. Ouais, bah, j'ai pas envie de me faire courser par un clébard dans un couloir, moi. Hein. Ça fait un peu Resident Evil tout ça. Hein. Wow. Ok, au vu de ton squelette, je pense que t'es mort. Pas très correct pour le chien, ça. N'est-ce pas? Enfin, je m'inquiète pour le clébard, mais pour ma maison, il n'y a pas de problème. Wow! Faut arrêter ça, hein. Hello? Allô? Yes, speaker. Allô, allô? What fire? Oh, God. Is she? Which hospital? I'm on my way. Ouh, ça me rassure. Donc sa femme, enfin je pense que c'est sa femme, a eu un accident. Il y a eu un feu. Alors est-ce que c'est pas l'appartement, enfin la grande maison qui a brûlé? Et du coup, elle aurait été grièvement blessée, peut-être. Ta mère le rat, hein? Putain. J'ai rien contre vous, mais faut pas déconner, hein. Bon, je vais par où? Make up your mind. Boum! Lumière! Toujours mieux avec un peu de lumière. Oh, encore cette salle avec le daim là. Ah, je déteste cette salle. J'ai même pas l'impression que c'est la même en fait. Non, c'est pas la même. C'est pas la même du tout. What the fuck is that? Don't do that. Vous croyez que YouTube va me faire chier pour les droits juste parce que j'ai chanté ça?
How convenient! What the fuck is this? Well, fuck you, little house. Little house. Petite maison, mon cul, ouais, ça fait une heure que je tourne en rond. Fuck you! Je suis sûr, il n'y a même pas la moitié des salles qu'il est. Il a jamais été dans la moitié des salles de sa maison, le mec. Bon. Ok. Un peu d'action, s'il vous plaît? Donc, à part des petits jumpscares, on n'a pas grand chose. Et maintenant tu t'ouvres! Non mais tu te fous vraiment de ma gueule, hein! Ah! Ok, j'ai rien dit. C'est bon. Tu peux. Allumage. T'es fait hyper noir. Oh, bah elle est pas là. Bah, je m'attendais à quoi, s'il te plaît? Je peux pas mettre mes lunettes? Parce que je vois pas trop bien en fait. C'est tout? Bon bah c'est tout. That's all I get. Non, il doit y avoir un truc. For example, under the bed. D'avoir un monstre sous le lit, n'est-ce pas? Toujours un... Ah bah une clé. Ouais non mais... C'est pas la clé de cette porte j'espère. Non. What? Entrée? J'ai dit entrée. Entrée, putain! Bon, ok, je t'ouvre. Je peux pas. Mais qu'est-ce, c'est quoi ce bruit? Wow. Oh my god! Ah, je donne pas cher de notre repos. Hein. Moi je vais pas par là, hein. Je suis mort. First step is the hardest. Mais j'ai déjà été ici. Première étape est la plus dure. Are you out of your goddamn mind? What did the doctor just say about straining yourself? You can barely hold a comb. Leave that damn thing alone. Alors peut-être que sa femme était musicienne. Ça expliquerait pourquoi on trouve cet instrument. Ok, tout est en train de fondre. I'm out of here! Please! The fuck was that? And a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. The taste of copper haunted me the entire night. What? Why didn't I think of a syringe?
Attends, est-ce qu'ils sont pas en train de nous expliquer que le mec s'est servi du sang de sa femme pour faire son tableau là, genre Ah mais c'est dégueu. Je l'ai pris avec moi. Ah bah oui, ça va être un élément de mon tableau en plus. Mais du coup, je sais pas par où sortir moi parce que j'ai pas trouvé de sortie là. Est-ce qu'il faut que je remonte encore le machin? Cette musique est creepy, mais je la mets quand même. Allez, je voudrais sortir, s'il vous plaît. Fais pas ta pute! Fais pas ta pute! Je vois pas d'autre sortie là, hein. Y'a pas de. C'est dégueulasse, je sais même pas sur quoi je marche, on dirait que je marche dans la merde. Bah, je vois pas trop. I don't understand. Help me, please. I don't know where to go. Je suis coincé, motherfucker. Prothèse. Ah, peut-être que c'était un élément qu'il fallait pour pouvoir ouvrir la porte, je sais pas. Non, toujours pas. Moi, je pense que sa femme a dû mettre des prothèses suite à son accident. Elle a peut-être perdu l'usage de ses jambes à cause des flammes. Ça se tient, hein, c'est pas what the fuck. Hein. Ah. D'accord, donc il fallait remettre en avant pour que la salle redevienne normale. Je trouve ça super bien le côté, vous savez, où ils font couler les choses, vu que ça fait penser à de la peinture. Bon, c'est fait exprès, hein, mais je trouve ça super bien fait. C'est vachement intéressant comme jeu. Franchement, il est super cool. Bon, un autre élément à ajouter à ma peinture. Alors, qu'est-ce que c'est? Form emerge. Une forme émerge. Tellement creepy. Regardez-moi ça. Si ça fait pas peur, cette terre-là. Jamais je ferai de peinture moi. Ok, de retour dans la salle principale, je suppose. Ça me fait penser à Silent Hill The Room. C'était le quatrième volet, il me semble. On était dans une salle et on pouvait pas sortir. Il y avait des chaînes comme ça, c'était cool. Creator's Block. Ok! Ok. C'est une plaque. Ah bon. D'un coup c'est comme ça. C'est... Maintenant il y a une porte et tout. Ah. Fuck you. Trop une clé en plus. C'est quoi cet endroit? What? C'est trop bien fait. Oh, j'ai rien compris. Oh, je me suis téléporté je sais pas où là. Je peux allumer? Ok, merci. Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de...
Lumière. Pourquoi tu fais ça? Allez, on parie combien cette porte fait pareil? Ah, même pas. J'aurais juré, quoi. Restless Memories. Je sais pas ce que c'est, Restless. Ça me dit quelque chose. The fuck was that? En fait, je suis con. Restless, ça veut dire les souvenirs qui restent. Un truc dans le genre, quoi. Un rapport avec... What the fuck is this room? Ah, là, à l'envers, c'est pas mal. Ah bah, du coup, on a une note ici. Je peux pas la prendre. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Collections. Ah bon. Énorme. Ce jeu est trop bien fait. Ah, c'est dégueulasse. Ah, mais c'est dégueu. Je comprends pas. Encore? Tiens, ça va pas trop de livres ici. Je crois qu'on va éviter de passer par là. Hein. Je suis déjà venu ici. Ah bah non. Ouais, non, mais je l'avais dit. Hein? Ugly. You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense in your stupid face. Pas content le monsieur. Je me casse d'ici, moi. J'ai qu'une envie, c'est me barrer. J'ai pas envie de rester dans cette maison de fou. De toute façon, je suis moi-même un fou. M'excuserez si j'allume toutes les lampes? Hein? Mais c'est un peu flippant par ici, n'est-ce pas? Hope kills the mind. L'espoir tue l'esprit. I wish it did. Ok. La dernière fois, on s'est tapé un jumpscare, enfin pas un jumpscare, mais on a vu une créature. Est-ce qu'on va se retaper la créature? Non. Personne. Non, c'est pas ça, c'est... Ah, abandonne l'espoir pendant que tu le peux encore. Bah écoutez, on va quitter le jeu, hein, y'a pas de problème. Non, ouvre... Oh, ouvre-toi, voyons. Oh, la belle salle de bain. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça va, ça va. Silent flutter, they clog the drains. Fur in the water, no bath for me. Flippant, flippant. Je suis flippant. Pourtant c'est juste des rats, hein, mais bon. Ah, référence à des rats. Ok, je viens d'ici, j'ai l'impression... Ok, c'est pas par là. Ok, c'est pas par là. Comme... Eh, ça va pas être par là non plus. Ah ben non, hein. Ben non, puis ça va pas être là-bas. Ah ben si. Ah ben si. C'est normal. Ok, les couloirs comme ça, c'est jamais bon. Easy to forget. Facile à oublier. Faut pas entrer. Fais pas ta pute. Ça sent la merde. Pourquoi je dois descendre? Je vois absolument rien. Il y a des moments, c'est pas possible, quoi. Oh, j'aime pas les caves comme ça. Ça me fait penser aux vrais films d'horreur, là. Ah. Déjà rien que tout à l'heure, ou je sais plus si c'était dans la première vidéo, les enfants pendus là, avec le sang noir qui coulait, ça m'a fait penser à Sinister. Et
Et là, la cave, ça me fait penser à... Wow. Ah. Conjuring. Conjuring et je sais plus. Alors, encore se faire troller, comme tu paries, hein. J'ai l'impression que ces objets-là, ils étaient en haut. C'est quoi ce bordel? Les objets volent dans la maison. C'est normal. Je pense pas que c'est par là que je dois repartir. D'avoir un endroit que j'ai déverrouillé grâce à... Grâce à la flottaison. Oui, flottaison. Oui, ça existe. Ok. T'énerve pas, s'il te plaît. Merci. Je pense qu'on va juste partir là. Je reste pas une minute de plus ici moi. Oh, c'est génial. J'adore ce jeu. Franchement, il est trop bien. Ok, t'es un peu moins bien là du coup. Allumons la lumière. C'est qui? C'est fermé. Mais pourquoi tu fais ça? Alors, est-ce qu'il y avait, pas l'interrupteur tout à l'heure, je crois. Saleté. Oh non, j'ai cassé. Oh bah non. I needed to remove the flesh from the bone. At first, I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one. Obviously, this was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Creepy, creepy, Hassel! Pardon. C'était pas volontaire, voyons. Pourquoi vous m'en voudriez? Oh. Putain, ça craque derrière moi, on dirait ma maison. Parce que ma maison, quand je suis en train de monter ou descendre l'escalier, j'entends quelque chose derrière. Et ça me fait peur. Alors, qu'est-ce qu'on a? What if you fail? Et si vous ratiez? Et si tu ratais? Oh, j'ai l'impression qu'il y a un œil ici. Oh, ça fait flipper! Chapeau au mec qui a fait ça, quoi. Donc ça, c'est de tous les objets que j'ai ramenés. Ah oui, bah ça, c'est... Ah, d'accord! Donc il nous manque 4 objets, apparemment. On va continuer, alors. Hey! Welcome back! Encore un mur? Bah, bien sûr. Pourquoi pas? Encore un mur? Bah oui, hein, forcément. Encore un mur? Bah, je m'en serais douté. Wow! What? Ce jeu est violent! Aucun corridor, sauf que... The fuck are you? Ah. On dirait c'est peut-être ma femme, hein. Je pense que c'est ma... Femme, je vous aime. Oh,
Oh merde, putain, je me suis dit que j'étais une tapette et que j'aurais dû y aller, puis finalement je peux plus. Oh, on peut plus allumer. How convenient. Thank you, man. Alright, alright. Where am I? The fuck are you? Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. J'ai l'impression que ça s'arrange pas avec ses copines, lui. Écoute-moi, monsieur. T'énerve pas, hein. C'est bon, hein. On a rien. Moi je vais pas par là, hein. C'est mort. C'est mort de chez mort. Hello? Honey, where are you? Trop creepy, tu vas mourir, je le sens. What the fuck? Wesh, oh! Faut arrêter, hein. Moi je dis que le code. Ah merde, c'est fermé. C'est quoi ce bordel? Ah. Ah. Fuck you. Little poupée. Allez, ma lumière. Ah, c'est quoi ce truc? Ah. Ouvre-toi! Je veux sortir! Je te fais rire, hein, c'est marrant! Connasse! Merci! Nope! Oh putain! On peut pas lui jeter des assiettes comme tout le monde, je sais pas, ils se battent, ils jettent des assiettes. Moi je dis ça, je sais pas, ça m'est jamais arrivé, mais... Oh, c'est joli! La jolie chambre du bébé! Il est où le bébé, hein? Il est où le bébé? Ah ouais. Non? Il n'y a pas de bébé, du coup. Bon bah tant pis, hein. Ah bah, il doit avoir un truc. J'ai dû zapper un truc. C'est quoi ce bruit? Et ça, ça doit être des secrets, je pense. Bah, il s'affiche sur le tableau, je sais pas si vous avez remarqué. Allez! Merci. Tout ça pour ça. Oh là là là. La maison, le landau, le panda. Je pensais que ça allait être écrit quelque chose. Mais pas du tout. Du coup, je vois pas trop là. Ah! We got the remote for the thing? Which thing? C'était pour ça? Ah non, je pensais... J'ai une perte massive de FPS dans cette salle-là, je sais pas pourquoi.
Elle est où la boîte à musique? Du coup, je comprends pas là. J'ai chopé une clé. Ah, c'est pour ça en fait. Ça sent pas bon là. Pourquoi on tourne en même temps? Putain, je me trouve ça. Putain, j'aime pas ça. Ça sent la merde. Oh, je déteste ça. Pourquoi tu veux... Non. Oh. C'était quoi sur le fauteuil? Ok. Non, il va y avoir un jumpscare, c'est obligé. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Hush hush baby, everything alright. What? Stars fade above you, the room goes dark. Non, je veux pas faire de tour. Here comes a candle to light you to bed. Je vais mourir, I don't want. Here comes a chopper to chop off your head. Non? Non? Oh! Hello? Putain, j'ai flippé. This was a special brush. Une mèche de cheveux. Like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Ah là, nah. Fuck it. Je sais pas ce qu'il veut faire avec ça. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Est-ce qu'il est pas en train d'essayer de... Ah, je pense que je sais ce qu'il veut faire. Je pense que c'est pas lui qui a tué sa femme. Ah, mais t'es sérieux? Non. Oh putain. Donc je disais, on va faire une petite pause là. Je pense que je sais ce qu'il veut faire. En fait, sa femme est morte. D'œuvre parce qu'il veut recréer sa femme, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il utilise des trucs. Ah, oh, ça fait. Ah! D'un côté, ça devient quelque chose d'un peu plus réel. Mais c'est justement ce qui fait encore plus flipper. Je pense qu'il veut recréer sa femme via les objets de ses souvenirs, donc une mèche de cheveux, du sang, un os. Il veut ressusciter sa femme. Je pense. Enfin voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui et pour nous. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour la suite de Layers of Fear. J'espère que vous appréciez la série, en tout cas moi ça me plaît vraiment, c'est super cool je trouve. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, partager ma vidéo si ça vous a plu. Je compte sur vous, même si vous n'êtes pas beaucoup, je m'en fous, je fais ça pour le plaisir. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit, une bonne douche, tout ce que vous voulez. Salut à tous!